Alors, pour répondre à une question que tu m'as posée tout à l'heure, les grands formats, hein, les affiches, c'est à ça que tu pensais, les grandes affiches qu'on voit dans les villes. Et donc ça, c'est de plus en plus de l'impression numérique maintenant. Mais avant, c'était fait en sérigraphie, justement. Au départ de films offset, on faisait des films offset prévus pour un petit format, par exemple 30-40 cm, et puis c'était projeté sur des grands châssis sérigraphiques. Voilà, les gros points de trame que tu voyais sur les affiches quand tu t'approchais, c'était en fait des petits points de trame de film offset. Mais c'est de plus en plus fait, évidemment, maintenant en numérique, sur des bâches et des impressions numériques grand format. Il existe des imprimantes grand format, 12 mètres de large, s'il faut. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les foires pour l'impression, les deux foires que vous devez aller voir pour vous former? Donc il y en a une à Düsseldorf, en fait, hein. Düsseldorf, c'est la Drupa. Vous devez aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Mais évidemment, en plus, vous avez des foires spécialisées dans le packaging, ça, il faut vous renseigner. Mais ça, c'est pour tout ce qui est. C'est tous les 4 ans à Düsseldorf, donc 400 km de Bruxelles. Et la prochaine est en 2020, du 16 au 26 juin 2020. C'est la plus grande foire mondiale consacrée à l'imprimerie. Bon, bah c'est pas un hasard que ça se passe en Allemagne, puisque l'impression telle qu'on la connaît maintenant, enfin avec les caractères mobiles, Gutenberg, ça vient quand même de là. L'autre grande foire intéressante pour tout graphiste, en fait, hein, foire un peu généraliste, c'est la Photokina. Là, c'est tous les 2 ans et c'est à Cologne. Et la prochaine est en 2018, 26 au 29 septembre 2018. À la Photokina, vous allez trouver plein de choses qui concernent l'impression aussi. Forcément, forcément. On trouve ce qui concerne l'éclairage pour les photos, les appareils, mais également les sorties papier, ils seront. Et beaucoup de sorties papier à la demande, très peu d'exemplaires. Aujourd'hui, on peut éditer son livre à la demande sans problème. Oui, ben en fait, on met le livre en vente sur Amazon et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète, le livre s'imprime et est envoyé à la personne. C'est l'impression numérique, oui, à la demande. Donc ça, c'est l'avenir, hein, c'est pour ça. Même si on a un livre.